Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du week-end. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. Allez, c'est parti les amis, les énergies de ce week-end. Allez, nous avons la rencontre et nous avons la confiance. Donc là, il se peut que certaines personnes rencontrent durant ce week-end une personne qui sera importante dans leur vie. Ça peut être sur le plan amical, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental. On vous demande d'avoir confiance par rapport à cette nouvelle rencontre qui rentre dans votre vie, parce qu'elle n'est pas là par hasard et elle est là vraiment pour quelque chose de précis. Donc vraiment, ayez confiance les amis. Cette rencontre a du positif. Allez, je continue les amis. Nous avons la ténacité qui est sortie pour ce week-end. Donc j'ai le ressenti quand même que certains sont en train de se libérer de fardeaux du passé, sont en train de déposer quelque chose qui a été extrêmement lourd, et peut-être que ce week-end, eh ben, c'est justement le temps pour se ressourcer, se reposer, parce que vous venez tout simplement de poser un fardeau qui vous écrasait complètement. Allez, je continue les amis. J'ai le ressenti quand même, et on l'a vu dans les énergies de la semaine, qu'il y a beaucoup de personnes qui se libèrent. Que même si la libération prend du temps, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se libérer de choses qui étaient vraiment lourdes et écrasantes pour pouvoir suivre leur évolution. Allez, nous avons la spéculation. Donc là, j'ai le ressenti quand même avec cette carte que... pour certains, beaucoup vont avoir une augmentation de leurs intuitions. Voilà, j'ai le ressenti quand même que l'intuition, durant ce week-end, mais dans les semaines à venir, hein, j'ai le ressenti que beaucoup de personnes vont avoir leur intuition qui vont beaucoup, beaucoup se développer, et on leur demande de s'appuyer sur ces intuitions pour continuer à avancer et prendre la bonne direction, hein. Voilà, donc avec ces nouvelles rencontres qui rentrent dans votre vie, on vous demande vraiment d'écouter votre intuition, votre intérieur, et de faire confiance à vos ressentis, parce que je pense que cette rencontre va être positive. Hein. Allez, je continue les amis avec mon oracle. Il y a la justice, il y a l'amour et il y a la lumière. Donc là, j'ai le ressenti que ce week-end devrait être plus lumineux. J'ai le ressenti que durant ce week-end, on retrouve un certain équilibre, un certain apaisement dans la vie, qu'on se tourne vers les joies de l'amour et la luminosité. J'ai le ressenti que certaines choses s'éclairent également. Il y a l'arrivée de quelqu'un, hein, j'ai l'impression, avec lequel on va trouver un équilibre. Donc peut-être que pour les célibataires, il va y avoir la rencontre avec quelqu'un qui va correspondre un petit peu à votre moitié. Avec les deux plateaux de la balance, j'ai le ressenti qu'il y a un équilibre qui se fait entre deux personnes qui sont un petit peu complémentaires. Voilà, il y a le retour à l'amour et la joie de vivre, les choses qui s'éclairent. Donc je pense qu'il y aura des rencontres pour certains percutantes, vraiment topissimes dans ce week-end. Voilà, laissez exprimer votre cœur, laissez exprimer votre amour. Les choses s'éclairent, sont lumineuses, équilibrées. Donc, c'est que du positif. Allez, je continue. Alors, je vais prendre celui-là aujourd'hui. Le Lenormand. Décidément, elles sautent toutes aujourd'hui. Hein. Alors, avec le Lenormand, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Donc, de très belles rencontres, hein, je crois, qui se font durant ce week-end. Vraiment des chouettes choses, là. Vous pouvez y aller les yeux fermés.
Voilà, ben, y a quelque chose qui se met en mouvement et qui vous apporte de la fluidité, de l'abondance. Et c'est soutenu par l'univers, les amis. Hein. Vous avez un soutien de votre ange gardien. Vous avez l'arrivée de quelqu'un, en fait, hein, tout simplement. Vous avez l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui va vous apporter énormément d'abondance et qui va être un véritable soutien. Cette rencontre, elle est en lien avec votre ange gardien. C'est votre ange gardien qui vous l'envoie. C'est l'univers qui œuvre. Cette rencontre, elle va être magique. Voilà ce que j'entends. Donc, je vous le dis. Donc, de très belles personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous apporter beaucoup d'abondance et de fluidité et des choses très positives. On vous dit vraiment d'avoir confiance. Hein. Bon, ben, et il est top ce tirage. Nous avons la chance, la signature et le chemin. Donc, je pense que, voilà, pour moi, ça signifie qu'il va y avoir des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter avec la signature, qui rentrent dans votre vie pour vous apporter de la lumière. Vous avez le soleil au bout du chemin. Donc là, ce que j'ai le ressenti, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent, voilà, par le hasard, mais qui en fait n'en est pas un, hein, puisque c'est œuvré par l'univers, et pour pouvoir construire quelque chose à deux d'engageant, d'officiel, qui durera dans le temps. Voilà, donc ayez confiance. Laissez-vous porter par cette rencontre magique. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Donc ça, j'aime bien, hein. C'est fluide, tout est fluide durant ce week-end là. J'ai l'amour, j'ai le soleil, j'ai l'abondance. Vraiment, c'est top. Peut-être que certaines personnes attendent des nouvelles sur le plan financier. Elles arrivent, hein. Vous avez un support de l'univers, vous êtes protégés. Hein. En tout cas, elles arrivent et elles sont positives avec l'oursin. Elles vont vous apporter de la stabilité aussi. Alors, nous avons la distance, le bouclier, la jalousie. Alors là, j'ai le ressenti quand même que vous prenez de la distance par rapport à tout ce qui vous ralentissait. La négativité, les blessures, les peurs, les doutes, l'extérieur qui est peut-être pas fiable. Voilà, on nous parle d'une belle protection, on nous parle d'unions qui arrivent et qui sont aussi destinées et protégées. De prendre de la distance qui vous permet de prendre de la distance avec tout ce qui n'allait pas jusqu'à maintenant ou toute la négativité qu'il y avait jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est très très positif. J'ai envie même de l'intituler une rencontre magique. Parce que j'ai le ressenti que c'est une rencontre avec quelqu'un avec lequel ça va être vraiment top. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être la rencontre d'un amour, d'un nouvel amour pour certaines personnes, la rencontre de personnes avec qui il va y avoir une compréhension mutuelle bienveillante. Voilà, et vraiment top, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, j'adore. Moi, j'adore ces énergies. Bon, vous êtes protégé quand même face à de la médisance, ou voilà, on vous demande juste de prendre de la distance si vous ressentez dans votre vie certaines personnes autour de vous qui sont pas top top, quoi, voilà. Ben, laissez couler, laissez passer, on a un retour à l'abondance, les prières exaucées, les choses qui s'éclairent, l'union des cœurs, bon ben voilà les amis. J'ai rien de plus à rajouter. Elles sont magiques. Il est magique ce tirage du week-end. J'adore. Voilà, et bien, il y a des choses qui s'éclairent dans votre vie et je pense que c'est en lien avec une rencontre qui va se faire et qui va être juste géniale, quoi. Voilà. Avec soit une amitié très forte, soit un nouvel amour très fort. Voilà, il y a quelque chose de vraiment super. Il y a des... Alors moi, je pense que c'est des rencontres d'âme, d'âme à âme, des choses qui ont déjà été prévues avant notre incarnation et qui se manifestent là pour nous apporter l'abondance et éclairer notre chemin, quoi. Voilà les amis, en tout cas il y a des unions qui se font, voilà, peut-être aussi des nouvelles amitiés avec lesquelles il va y avoir un partage vraiment très sympa, quoi. Voilà les amis, donc voilà, il est juste génial ce tirage, quoi. Voilà. Allez, je continue dans ces belles énergies. Alors, nous avons, ben là, elles sont un peu moins belles.
Nous avons la spiritualité, nous avons le châtiment et la souffrance. Je pense qu'en fait, vous êtes en train de transformer intérieurement tout ce qui vous a fait souffrir ou tous vos sentiments de culpabilité, vos sentiments de tristesse. En fait, j'ai le ressenti avec tout ça que vous êtes en train de les transformer et que cette rencontre va vous permettre de vous libérer aussi de tout ça. Il y a la spiritualité qui est très présente, donc pour moi, les rencontres qui vont se faire dans ce nouveau cycle en fait, hein, qui s'ouvre pour chacun, eh bien elles seront plus fondées sur la spiritualité, sur des choses bien plus sincères, bien plus authentiques, bien plus bienveillantes. Et ça nous permet, ou ça vous permettra de balayer tout ce que vous avez connu en amont qui n'était pas positif par rapport à des personnes. Voilà, donc vous l'adaptez au plan qui vous correspond. Voilà, en tout cas, il y a des rencontres vraiment magiques qui arrivent sur votre chemin. Allez, ben, nous avons l'amitié et la pensée qui ressort, hein. Nous avons les ennemis. Et nous avons la sagesse, donc il se peut que certaines personnes aient rencontré des coups bas, des trahisons, des choses compliquées en amitié et en amour. Et on nous parle d'une belle protection et de vous libérer vraiment de tout ça, parce que de nouvelles personnes qui en valent vraiment le coup, j'ai envie de dire, même si ça se dit pas trop comme ça, mais de nouvelles personnes en face vraiment avec qui vous êtes arrivent. Et ça va vous permettre de finir de balayer tout ce que vous avez vécu qui n'était pas, qui vous a laissé des marques en fait, hein, qui vous a laissé des blessures et des traces. Vous allez le balayer, hein. Vous deviez passer par là pour comprendre aussi peut-être certaines choses, et pour pouvoir rentrer dans une nouvelle étape de vie qui est avec de nouvelles rencontres qui sont vraiment en phase avec ce que vous êtes devenu. Voilà, tout simplement les amis. Allez, je finis par le tarot et puis je ferai une carte de l'Inner Stars. Nous avons la défiance, nous avons la prospérité et nous avons la souveraineté, le souverain. Donc là, j'ai le ressenti quand même que pour certaines personnes, eh bien, effectivement, vous avez été déçu par des personnes de par le passé avec la juste défiance. Peut-être que vous vous méfiez encore des nouvelles rencontres que vous avez maintenant de par ces rencontres du passé. Et là, on vous dit vraiment d'avoir confiance que ces rencontres sont amenées à prospérer un petit peu quelque part, hein, et à vous redonner de la force et du courage. Hein. Donc, pour moi, vous balayez des choses du passé et vous laissez la place à de nouvelles rencontres et vous laissez la chance à ces nouvelles relations d'évoluer favorablement. Voilà, voilà, chers amis. Donc, j'adore ces tirages. Vous l'aurez compris. Voilà, voilà. Allez, je finis par une carte de l'Inner Stars. Créer votre réalité. Et bien là, voilà, j'ai le ressenti que les choses se mettent en place et que plus vous aurez confiance, plus vous arriverez à créer une réalité qui vous correspond davantage. Voilà, chers amis, donc faites confiance, laissez rentrer les personnes magiques qui sont amenées à rentrer dans votre vie et créer justement une nouvelle réalité avec eux. Voilà, chers amis, pour cette guidance du week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Et puis, je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Bye bye. Prenez soin de vous.